Değerli izleyiciler, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden sizlere bir kez daha merhaba diyoruz. Biz şimdi Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Liberal Demokrat Grup Başkanı Mark Kulz ile konuşacağız. Daha sonra da Luc Martens ile biliyorsunuz 31 Mart günü ve öncesi Türkiye'deki seçimleri izlemek için buradan giden büyük heyetin bir üyesiydi. Belçika'dan gidiyordu. Kendisiyle de bu meseleyi biraz sonra konuşacağız ama öncelikle burada baskı altında olan belediye başkanlarının durumu ve Türkiye'de olup bitenlerin görüntüsünü Türkiye dosyasında yakından takip eden Mark Kulz'a dönüyoruz. D'abord soyez bienvenue sur notre plateau. Bonjour Mark Kulz. Monsieur le président, il y a eu un débat ici depuis assez longtemps. Vous avez eu aussi lors de cette session débat qui concerne les maires sous pression. Apparemment, vous allez encore poursuivre, vu la situation, cet sujet. Sur ce sujet-là, deuxièmement, sur les élections en Turquie, qu'est-ce que vous voyez, ce que vous trouvez important pendant ces élections en Turquie? Mais où commenceriez-vous? Tout d'abord, peut-être par les résultats des élections en Turquie, qui sont quand même un événement politique dans ce pays, vu que plusieurs grandes villes sont conquises par l'opposition. Je pense Istanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin notamment. L'opposition qui conserve aussi des villes comme İzmir. Donc ça montre qu'il y a une résilience à la démocratie en Turquie. Évidemment, le parti gouvernemental continue à être très important et aussi continue à avoir des maires très nombreux un peu partout dans le pays. Mais le fait qu'il y ait une véritable démocratie qui s'est exprimée avec des maires de couleurs politiques différentes selon les villes, c'est extrêmement important. En ce qui concerne les villes où il y avait les représentants de l'État qui ont été désignés à la place des maires destitués, surtout dans la région du Kurdistan. Effectivement. D'ailleurs, la question des maires destitués, on en a parlé hier au Congrès, pas spécialement pour la Turquie ou la partie kurdophone de la Turquie, mais ce débat existe dans différents pays. Moi, j'ai été rapporteur, je présenterai demain un rapport sur la Moldavie. Là-bas, on a aussi, parce qu'il y avait des poursuites judiciaires sans condamnation du maire de la capitale, Chisinau, par exemple, on l'a démis de ses fonctions. Donc c'est un vrai problème dans plusieurs pays européens, et notamment en Turquie. Ça n'est pas acceptable, effectivement, que sous prétexte qu'ils seraient des terroristes, alors qu'il n'y a aucun élément qui montre ou qui démontre cela, c'est pas parce qu'on a une langue et une culture, et qu'on essaie de défendre cette langue et cette culture, qu'on ne doit pas pouvoir, effectivement, exercer les responsabilités politiques dans son pays, conformément évidemment aux législations du pays et de manière pacifique. En général, le Congrès concernant la Turquie, quelles sont ses préoccupations? Mais nos préoccupations, c'est effectivement les maires sous pression aussi en Turquie, et pas seulement des maires d'origine kurde, hein, au niveau de la langue, d'autres aussi parfois. On a bien vu qu'après, ce qui était un scandale, le coup d'État, hein, avorté, il y a quand même des milliers et des milliers de personnes, des intellectuels, des journalistes, des professeurs, des fonctionnaires, des politiques, hein, kurdophones ou non, qui sont emprisonnés. C'est une situation extrêmement inquiétante au niveau de la démocratie. La démocratie, c'est accepter qu'il y en a d'autres qui pensent différemment de vous et qui ont le droit aussi de se présenter aux élections, d'être élus et d'assumer les responsabilités. Et donc espérons que les résultats de ce scrutin soient respectés et que des pressions ne soient pas faites, comme ça s'est parfois produit dans le passé, sur les maires élus, qu'ils puissent exercer leurs fonctions et être au service des concitoyens qui leur ont fait confiance. Vu que le rapport de la
la délégation qui est partie pour poursuivre en fait le déroulement des élections. Le rapport n'est pas encore déterminé, mais quand même il y a eu un rapport. Que pensez-vous du message que contient cette pré-rapport? C'est vrai que les élections ont lieu dimanche, c'est un peu tôt, hein, pour que le rapport soit établi. Mais enfin, visiblement, en tout cas, le déroulement des opérations électorales s'est déroulé de manière tout à fait normale, semble-t-il, dimanche. Il y a quand même eu des remarques sur l'avant-élection. On peut se demander si l'accès aux médias est toujours égal pour tous les partis politiques en Turquie. Donc c'est certainement une question qui devra faire l'objet d'attention. Le rapport, probablement, ce sera pour le mois de juillet, sera débattu ou voté? Ah oui, il sera débattu en commission de monitoring et voté comme tous les rapports. Ceci dit, il faut remercier les autorités turques d'avoir permis cette mission d'observation. Je crois que c'est important. On le fait dans de très nombreux pays européens. Visiblement, les autorités turques ont apporté leur collaboration à cette mission, qui était la seule mission internationale d'observation des élections qui a eu lieu en Turquie. Donc le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe était le seul observateur international. Donc c'était important, effectivement, qu'il y ait un regard extérieur lorsque les élections locales importantes, comme celles qui se sont déroulées, sont organisées. Probablement, le Congrès va poursuivre le rapport concernant les maires sous pression. Pourquoi? Quelle est la nécessité de cela? Mais c'est nécessaire. On l'a vu dans le passé en Turquie avec certains maires emprisonnés, hein, libérés après 5 ans, hein, parce qu'il n'y avait pas eu de condamnation, que la loi turque prévoit qu'après 5 ans, s'il n'a même pas eu un procès, vous êtes libéré. En attendant, ils ne sont plus maires. Hein, des situations qui ne sont pas normales. Mais la question des maires sous pression est une question qui se pose dans de nombreux pays européens, y compris dans des pays auxquels on ne s'attend peut-être pas a priori. On a eu des témoignages très poignants ce matin d'un maire des Pays-Bas, d'un maire allemand, pas là de la part des autorités gouvernementales qui ont fait l'objet de pressions, mais l'un des milieux mafieux. L'Italie aussi. L'Italie, il y a un attentat contre un maire qui a décidé d'évacuer un bâtiment qui était occupé illégalement. Aux Pays-Bas, c'est des milieux mafieux proches sans doute des dealers qui menace de mort le maire parce qu'il a démantelé certains réseaux. En Allemagne, à Altena, quand même un maire qui a reçu un coup de couteau parce qu'il avait accueilli des réfugiés politiques et que visiblement ça déplaisait à certains. Donc ces langages de haine et d'intolérance existent un petit peu partout. Et puis il y a plusieurs pays européens, il faut bien avouer, parfois que les maires sont sous pression. C'est certainement le cas, par exemple, en Moldavie, pays que j'ai eu l'occasion de visiter et où je présenterai un rapport demain. Quel est en fait le message du Congrès actuellement, à la fois pour la jeunesse et pour les citoyennes actuellement, où on souligne en fait l'importance de la démocratie locale, participative, démocratie directe? Deux messages. Tout d'abord que la tolérance ne doit pas accepter les comportements intolérants, comme l'a dit ce matin le maire d'Altena. Donc il faut que dans la société civile, chacun accepte qu'il y a des gens qui pensent différemment de soi et respecte ceux qui pensent différemment de soi. D'autre part, dans tous les pays, il faut apporter son appui aux maires. Lorsqu'il y a des menaces qui pèsent sur eux, ils doivent évidemment avoir une sécurité qui est garantie. Et d'autre part, les autorités gouvernementales doivent aussi respecter le fait qu'il y a parfois des maires dans un certain nombre de villes ou de villages qui ont une autre couleur politique que celle du parti au gouvernement. Ça fait partie du jeu démocratique. Et donc, chacun doit respecter les fonctions de l'autre et les responsabilités de l'autre. Dernier message. On voit que, surtout dans certains pays, il y a une tension entre tout ce qui est local, régional et tout ce qui est gouvernemental et étatique. Pourquoi il faut que la démocratie soit gérée surtout de bas? C'est vrai qu'il y a dans beaucoup de pays européens ou même extra-européens certaines tendances à la recentralisation des compétences. Et ce n'est pas une bonne chose parce que beaucoup de compétences peuvent être mieux gérées au niveau local qu'à un autre niveau de pouvoir. Et en principe, c'est d'ailleurs ce que défend la Charte européenne d'autonomie locale. C'est le niveau local qui doit assumer une compétence lorsqu'il n'est pas démontré qu'elle peut mieux être assumée par un autre niveau de pouvoir. Une commune, c'est le niveau de pouvoir le plus proche du citoyen, où on connaît en tant qu'élu local
les difficultés auxquelles ses concitoyens, ou les réalités auxquelles ses concitoyens sont confrontés, où il y a un dialogue direct qui est possible entre l'élu et les citoyens. Donc c'est une démocratie vivante au niveau local. Donc c'est pour ça que c'est très important. C'est le niveau de base de la démocratie. À quoi c'est important pour... En fait, la Belgique, est-ce qu'elle peut être un exemple sur quel point? Mais la Belgique peut être un exemple, y compris pour la Turquie, parce que nous avons différentes communautés chez nous, des communautés linguistiques, mais qui cohabitent dans un même pays. Et donc, il y a parfois des différences, et dans beaucoup de pays européens, il y a des différences. La Flandre, la Wallonie et les germanophones. Oui, Bruxelles aussi. Donc, on ne peut pas exporter un modèle d'un pays à un autre, mais réfléchir à l'organisation d'un pays qui reconnaît effectivement les langues et la culture de chacun, mais qui surtout maintient l'unité du pays tout en reconnaissant cette autonomie culturelle. Je crois que c'est important. Et là, la Belgique a quand même réussi ce que certains pays n'ont pas réussi. On connaît les conflits sanglants qu'il y a en Irlande, dans l'ex-Yougoslavie, on va parler de Chypre ou d'autres pays. Donc, comment organiser sur un même territoire la cohabitation parfois de communautés différentes. Merci, Monsieur le Président Marc Hulz, d'avoir participé. Merci à vous. Notre mission. Değerli izleyiciler, biz programımızın sonuna geldik. Bir hafta sonra ya da 15 gün sonra farklı bir konu ile buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.